Voyons comment utiliser une règle CRA. Ici, nous voyons deux demi-rapporteurs. Nous devons toujours relever la valeur qui est lisible directement en face de nous. Ayez toujours la rose des vents en tête, allant de 0 à 360 degrés. Cela vous aidera beaucoup à savoir dans quel cadran vous vous situez. Nous avons relevé le phare de l'île du Mai dans le 355. Le phare de l'île du Mai se trouve ici. Connaissant le rose des vents, vous voyez que le 355 est en haut. Notre position est forcément en dessous de l'île du Mai. Le 355 se situe dans ce cadran-là. Nous allons donc mettre notre règle CRA comme ceci. La flèche est toujours dans le sens du point relevé. Prenez votre crayon à papier, mettez-le sur le phare de l'île du Mai. Cela vous permettra d'avoir un point fixe et de le faire glisser votre règle CRA dessus. Faites coïncider le rond du rapporteur sur un parallèle. Relevez ici le 355. 355 se situe donc ici. Tracez. Maintenant, nous avons relevé le moulin de Piriac-sur-Mer dans le 052. Nous voyons que le 052 se situe dans ce cadran-là. Nous allons donc mettre notre règle CRA comme ceci. Le moulin de Piriac-sur-Mer se situe ici. Mettez votre crayon à papier dessus. Faites coïncider le rond du demi-rapporteur avec le méridien et cherchez le 052. Le 052 se situe ici, tracé. Nous voyons que déjà nos deux tracés se rejoignent en un seul point. Le moulin de Trévalis se situe ici. Mettez votre crayon à papier dessus. Faites correspondre, comme toujours, votre demi-rapporteur avec le rond dans le 091 et tracé. Nous voyons que nous avons la formation d'un triangle ici. Indiquez votre point ici, cela correspond à votre position. Voilà, maintenant vous savez comment tracer le relèvement de votre position grâce à une règle CRA.